Et bonjour à tous, c'est Lolo Faz. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être sur trois sortes de mangas dont la sortie vont se faire dans les prochains jours ou dans le mois qui arrive. Le premier manga c'est My Hero Academia, la suite. Après c'est SAO, aussi la suite, hein. Et aussi la suite des Seven Deadly Sins. Je pense que ces trois mangas, déjà, c'est des bons mangas. Pour ceux qui sont fans, je pense que vous voulez savoir quand est-ce que la suite sort. Voilà. Contre comment la suite qui va se dérouler dans les prochains jours. Bon, il y a le premier manga, c'est les Seven Deadly Sins. La suite, elle est prévue le 18 mars 2020. Et c'est dans ce mois-là. Je pense que ça va sortir, sauf que ça va sortir en scan, pas en animé, ils l'ont pas encore fait. Je trouve ça dommage, parce que déjà la saison 3 a été vraiment pas mal, même si on comprend entre la saison 2 et la saison 3, le début, j'ai pas du tout compris. Moi, j'ai pas accroché sur le début, c'est vers le milieu que j'ai commencé à apprécier le manga. Parce que pour moi, c'était incompréhensible le début. Après, il y a My Hero Academia. Déjà, la saison 4, c'était une perle, hein. Izuku et son ami qui partent secourir la petite fille maudite, soi-disant. Franchement, il est vraiment pas mal. Je pense que pour ceux qui n'ont pas regardé My Hero Academia, il faut le regarder. C'est un manga qui est vraiment trop bien. J'ai vraiment accroché sur ce manga aussi. Et après, c'est la suite de SAO. SAO, voilà. SAO, c'est une tuée aussi. Moi, j'ai vraiment aimé. Moi, de toute façon, j'aime tous les mangas. Hein. Pas tous, mais il y a une grande majorité que j'aime. La suite est prévue en avril 2020. C'est la saison 5 qui sort. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. D'autant plus que le personnage principal qui est Kirito est à moitié foutu. Dans la saison 3-4, il était dans les vapes. Hein, dû à la mort de son meilleur ami qui voulait secourir Alice. Et de son problème au niveau du monde réel, des militaires qui ont fait des conneries, qui ont coupé le générateur, et que Kirito est devenu à moitié fou, hein, débile. On peut dire qu'il est tombé dans une sorte de coma. Il n'est pas complètement mort, mais bon. Et c'est Alice, pendant quelques temps, qui s'est occupée de Kirito le temps qu'il y ait la guerre. Et là, il y a la guerre contre Alice et contre les chevaliers. Et Alice est portée disparue, s'est fait enlever. Et a réussi à peu près à se défendre. Hein. Mais on ne sait pas la suite. Là, j'ai vu le créateur du manga faire une interview sur une vidéo qui allait dire que ça allait pas être Kirito le personnage principal, ni Asuna. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout lequel ça va être. On verra ça dans les vidéos. J'espère que vous allez aimer le manga. Il y a un manga que je vais vous présenter, c'est Danmachi. Danmachi, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est vraiment un putain de manga qui est à la fois un peu triste et à la fois un peu d'humour aussi. Et un peu de suspense au niveau des fins des épisodes. C'est-à-dire que le premier épisode, à la fin, ça vous donnera toujours envie de regarder la suite. C'est vraiment... ces sortes de mangas, j'adore. Après, il y a Kiyoku Suiri. C'est un manga... je vais vous mettre les noms des mangas que je vous dis là dans la description. Ils sont déjà sortis, c'est-à-dire que c'est des épisodes à part le manga que je vous ai dit là. Il sera disponible le 21 mars à 19h
sur GumGum Streaming ou sur VotsFree. VotsFree, je vous l'avais mis dans une précédente vidéo, c'est un bon site. À 4 ou 5 potes à moi, je les aurais, qui sont fans de manga, je les aurais présenté ce site. Ils ont vraiment accroché. Ce site, c'est une perle. Hein. Franchement, allez-y. Même s'ils demandent des dons et tout, faites-le. Parce que c'est vraiment un site qui est vraiment pas mal. Si vous voulez voir surtout des films, il y a des films de fou. Franchement, même s'il n'y en a pas vraiment des masses, ils ont essayé de mettre de bons sites et de bons films. C'est-à-dire que j'espère que vous allez accrocher sur ce site-là. Après, il y a... comment ça s'appelle ? Je regarde parce que j'ai pas forcément les noms en tête. Je pense que pour ceux qui regardent énormément de mangas, je pense que les noms en japonais, vous ne le retiendrez pas tous. Je pense que vous serez d'accord hein, que c'est vraiment galère de retenir tous les noms. C'est Santon Garu. C'est l'histoire d'une école exclusivement que pour les animaux. Même si c'est mixte. Un petit peu, parce qu'il y a des humains, il y a des humains à moitié girafe, des humains à moitié loup. C'est-à-dire que c'est humoristique, ce manga. C'est un peu d'humour, vous verrez de l'amour, de beaucoup de choses dans ce manga. Moi... J'aime bah, tout, comme je vous ai dit précédemment, j'aime tout. C'est-à-dire que vous verrez selon vos goûts au niveau de manga, des mangas. Je vous dis juste que les mangas qui sont sortis et que peut-être éventuellement ça pourrait vous aider. Aider ou aimer les regarder, hein, je sais pas. Y en a tellement qui sortent dans les mois qui précèdent que on s'en sort plus. Hein. Même avec l'épidémie qui se trame, faut rester positif, mais même il y en a qui sort. Hein. C'est il y en a constamment qui sort, c'est-à-dire que c'est vraiment pas mal. Voilà, t'as vu, il y a encore Danmachi, il y a la saison 3 prévue en juillet 2020. La saison 3, je le savais même pas, vous voyez. Il y a One Punch Man, ça j'en sais rien. Date de suite inconnue, c'est-à-dire qu'on ne saura pas encore la suite. Dans tous les cas, c'est fini, hein, franchement. Je vous ai déjà donné pas mal de sites. Et je vous ai donné deux sites que j'avais mis dans une vidéo précédente. Et voilà, je vous ai déjà donné pas mal de dates de mangas qui vont sortir précédemment. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Lâchez un max de pouces bleus comme la vidéo. Sauf que c'est pas des likes, c'est plus des vues. C'est-à-dire que c'est l'équivalent. Ça fait du bien de voir que quelqu'un s'intéresse à vos vidéos. Surtout sur le petit joujou de la tablette. Hein, tablette du lycée. C'est-à-dire que voilà. Hein, elle me sert quand même un long terme. C'est-à-dire que... elle est pas mal. Allez, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Mettez-moi un like de pouce bleu dans la description. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, peace!